Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment l'Europe et les États-Unis ont pu avoir une responsabilité, une très très grande responsabilité, dans l'éclatement de la Yougoslavie. Mais avant, il nous faut revenir deux ans avant, à Moscou. L'Union soviétique est déjà à l'agonie, le mur de Berlin est tombé, l'économie est exsangue, un vent d'indépendance souffle dans les républiques. Mikhail Gorbatchev veut réformer le régime mais sans renoncer au communisme et à l'Union. Au même moment, Boris Yeltsin est élu président de la Fédération de Russie. D'emblée, il plaide pour une autonomie totale. L'histoire est en marche. À partir de là, l'Occident va vouloir s'étendre sur les anciennes républiques de l'ex-Union soviétique. Mais pas seulement, également sur les Balkans. Mais revenons tout de suite à la Yougoslavie. Et comment, finalement, l'OTAN est intervenue en Bosnie-Herzégovine. La Yougoslavie était un pays communiste modéré qui a toujours su se tenir entre les blocs de l'Ouest et les blocs de l'Est pendant la guerre froide. Un homme, un grand résistant à l'Allemagne nazie, était à sa tête. C'était le maréchal Tito. Tito reçut et fut reçu par tous les grands de ce monde. De Nixon à Brejnev, de la reine d'Angleterre à Valéry Giscard d'Estaing, en passant bien sûr par Mao, Hua Kuofeng, etc., etc. On avait à ce moment-là la citoyenneté yougoslave, mais aussi la citoyenneté croate, bosniaque, slovène et serbe. Mais ce qui comptait le plus, c'était la citoyenneté yougoslave. Au début des années 1990, à Zagreb, les nationalistes croates cherchent à se doter d'une armée et des policiers complètement indépendants. Ils veulent refonder l'État croate. Alors, et les Serbes, à ce moment-là, prennent comme une véritable provocation le fait que la Croatie reprenne comme symbole le drapeau à damier rouge et blanc des fascistes croates de la Seconde Guerre mondiale. Cette hostilité montante entre les Serbes et les Croates va conduire au démantèlement de l'État fédéral yougoslave et à la guerre. Au mois de juin, la Slovénie, puis la Croatie proclament leur indépendance, avec la bénédiction des Européens, à l'exception de François Mitterrand, président de la République française. François Mitterrand a une autre vision de la Yougoslavie et des Balkans. Il ne souhaite pas que l'Europe, à ce moment-là, emmenée par l'Allemagne, puisse arriver à la dissolution de la Yougoslavie. François Mitterrand est un homme qui aime l'histoire. Il se souvient que les Serbes se sont battus aux côtés des Français contre les Allemands en 14-18. Bientôt, au printemps 1991, des heurts entre Serbes et Croates qui se sont multipliés. Les premières opérations commencent en juillet avec l'intervention de l'armée fédérale. En Bosnie-Herzégovine, les Serbes s'opposaient à ce que toute partie du territoire soit séparée de la Yougoslavie. Pour eux, l'indépendance revenait à une déclaration de guerre. Les dés étaient jetés. La Bosnie-Herzégovine décide de déclarer sa souveraineté en octobre 1991. Cependant, la commission Badinter, qui est une commission pour la paix en Yougoslavie au sein de l'Union européenne, demande un référendum. Et ce n'est qu'avec un référendum que l'Union européenne pourra ou non reconnaître la Bosnie-Herzégovine comme un État
à part entière. Un référendum d'autodétermination est organisé le 29 février 1992. Les Serbes ne veulent pas voter. Ils boycottent le vote. Et les résultats sont les suivants. 99% des votants sont pour. Les Croates et les musulmans ont voté pour l'indépendance. Les Serbes se sont complètement abstenus. La communauté européenne reconnaît donc la Bosnie comme un État indépendant. Le 22 mai 1992, la Bosnie-Herzégovine adhère à l'ONU et les États-Unis reconnaissent également la Bosnie. La reconnaissance de ce vote signe la fin de la Yougoslavie, l'explosion de la Bosnie-Herzégovine, le commencement de la guerre en Bosnie, la continuité de celle-ci en Croatie. C'est terminé. L'Europe, les États-Unis ont choisi la guerre. Moi, j'arrive à Sarajevo en juin 1992. La tension est vraiment très grande. C'est vrai en particulier pour les snipers, ces francs-tireurs qui tirent sur tout ce qui bouge. Philippe Buffon, notre envoyé spécial à Sarajevo, en sait quelque chose. Voici le portrait d'un de ces snipers et à travers lui, toute l'horreur de la guerre au quotidien. Sarajevo. Dans tous les quartiers de la ville, les tireurs embusqués font régner la peur. Serbes ou bosniaques, ils sèment la mort de loin. À une centaine de mètres de l'hôtel, en plein centre-ville, une tour d'une trentaine d'étages. Les snipers y sont embusqués. Je décide de m'y rendre. Plusieurs fois, ils me prennent pour cible. Après une approche difficile, je tombe enfin sur les miliciens bosniaques qui me renseignent sur le chemin à prendre. Il faut passer le plus rapidement possible d'un abri à l'autre. Cet homme me fait comprendre qu'il va m'accompagner. Ouais. Ok. C'est la dernière ligne droite. À l'intérieur, une vingtaine de combattants. Nous sommes au quartier général des francs-tireurs. Ici, c'est la première ligne, à 100 mètres d'ici. C'est l'ennemi. Au milieu de la ville, au centre de la ville. Toutes les 24 heures, on change de groupe. Ces deux hommes vont relayer leurs camarades embusqués depuis des heures. L'ascenseur, à ma grande surprise, marche encore. Tout de suite, au 16e étage. Depuis 4 mois, ces hommes répètent sans cesse les mêmes gestes. Chercher la cible. Coller l'œil au viseur, tirer pour tuer, c'est le cas de Goran, l'homme en bleu. Thank you.
Quand ils tirent, ils peuvent se faire repérer. Aussitôt, nous changeons d'étage. Ma femme est serbe, de Belgrade. Et qu'est-ce qu'est mon enfant ? Mon fils. Il est né à Sarajevo, d'un père musulman, d'une mère serbe. Il est cosmopolite. Et il est bosniaque. Et il le restera toujours. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre Serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Les animaux sont les Tchetniks ou les extrémistes serbes. On ne peut pas nous séparer. Même dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, nous nous sommes mélangés depuis des années. Nous vivons ensemble et nous vivrons encore tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir embusqué ? C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Mais si je le tue pas, il va vouloir me tuer, ou une mère, avec son enfant de quelques mois. Qu'est-ce que je vois quand je vois un sniper ? Un animal. Je sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile, très difficile. Qu'est-ce que je vois ? Je vois la femme morte et l'enfant que les animaux ont tué. Depuis les collines. Je vois... Je sais pas. Maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je dis est un ordre. Si je dis à terre, tu dois aller à terre. Cet endroit où nous allons maintenant est dangereux, très dangereux. C'est la première ligne. C'est une très grande tour et nos ennemis savent où nous sommes. Ils ne savent pas exactement où, mais ils savent que nous sommes dans cet immeuble. Et tu vois, il y a une maison en ruine, à moitié rouge, à moitié blanche, le toit est cassé. Tu vises directement là. Et maintenant tu vois la vieille maison, on voit un peu la fenêtre ou quelque chose comme ça. Là, il y a toujours quelqu'un. Ah oui, oui, à gauche, le toit en ruine. Oui, je le vois. Sois prêt.
Ah, j'ai vraiment des problèmes avec mon viseur. C'est ton flingue qui est un peu vieux. Come on. Goran s'est retrouvé dans cette tour vivant en vase clos. Je deviens alors son interlocuteur privilégié. Je suis l'homme avec qui il peut parler, se confesser, sans aucune crainte de ses supérieurs. Ok, maintenant, quand je dis go, vous arrêtez de faire des images. Vous étiez étudiant ? Oui, j'étais étudiant, j'étudiais la biologie. Que pensez-vous des armes ? Qu'est-ce que je pense des armes ? Les armes, c'est comme les femmes. Très belle, très douce, très dangereuse. Vous aimez votre arme ? Oui, je l'aime bien. Vous êtes sûr que vous aimez votre arme ? Mais elle, je l'aime pas quand je dois tuer. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être je veux finir mes études. Et essayer de vivre normalement. Si je reste en vie. Certains intellectuels, comme déjà Bernard-Henri Lévy, présentent la Bosnie-Herzégovine comme un succès de l'intégration musulmane en Europe. Je voudrais quand même rappeler que ceux qui aujourd'hui insistent le plus vigoureusement sur le caractère unitaire de la Bosnie sont ceux qui se sont résolus très facilement il y a un an au démembrement de la Yougoslavie, quand la communauté européenne, sous la pression allemande et dans la passivité de la France, a accepté de reconnaître les frontières administratives internes de la Yougoslavie. Oui, moi, je vous répète, je ne renonce pas à l'idée de rétablir la Bosnie-Herzégovine dans sa souveraineté. Le conflit attire encore plus d'hommes venus combattre pour le djihad, dont un certain Nuslaba Ben Laden. Ce sont les anciens Afghans, ces hommes qui ont lutté pendant très longtemps, aidés par les Américains, contre les Soviétiques. Alors, à propos de ces combattants étrangers, j'ai interviewé un médecin palestinien dans la ville de Dobrinja, qui était, elle, encerclée par les Serbes. Écoutez. Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, et c'était normal. C'était donc des décisions individuelles de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. En août 1992, j'ai la possibilité d'aller à Brečko. Brečko, c'est une ville en plein dans des combats entre forces croato-musulmanes et serbes. Personne n'y est allé. Et un hebdomadaire américain dit qu'il y a des camps de la mort
à Brečko. Entre-temps, moi, je contacte La Vie catholique, qui a fait 3 pages sur ces camps de la mort. Donc, je contacte le journaliste. On n'est pas en compétition, parce que lui, il est de la presse écrite. Je lui demande s'il a une localisation exacte de ces camps. Il me dit oui, j'ai une localisation exacte. Ces camps se trouvent dans des entrepôts d'une usine. Je lui demande quelle usine. Il me dit les usines de Luka Brečko. Vous n'y arriverez jamais à y aller. Aller à Brečko, c'est impossible. En effet, pour tout vous dire, Brečko est au nord de la Bosnie, à la frontière avec la Serbie, la Croatie et la Hongrie. Donc c'est un vrai problème pour y aller. La seule chose qu'on peut faire, c'est arriver en Hongrie, de Budapest, aller jusqu'à la frontière, à la frontière, passer la frontière, aller chez les Serbes, payer un peu les Serbes pour qu'ils nous laissent passer, et ensuite s'infiltrer en Bosnie-Herzégovine. C'est la seule solution. Le gars de l'association franco-serbe me recontacte, il me dit « D'accord, c'est bon. On vous attendra en Hongrie, à la frontière. » J'arrive à Budapest, je prends une bagnole, je la laisse à la frontière hongroise. Enfin, une voiture arrive, une superbe nana vient, me serre la main et me dit « Écoutez, voilà, je suis la traductrice. Montez dans la voiture. Je suis venu ici pour vous amener à Brečko. » Alors, savoir exactement où on est passé, je ne sais pas. On change plusieurs fois de voiture. J'arrive quelques heures plus tard à Brečko. Je demande à voir l'homme qui commande le coin. Un colonel arrive. Il me demande ce que je veux. Je lui dis « Écoutez, voilà, je voudrais aller aux entrepôts Luka Brečko. » Et on prend sa voiture. On arrive devant devant une série d'entrepôts où il y a une grande pancarte Luka Brečko. Bon. Je visite donc tous les entrepôts. Il n'y a rien. Alors, c'est vrai, ils sont impeccables. On les a nettoyés, etc., etc. Alors je demande le pourquoi de ce nettoyage. On me dit, bah oui, on entretient les lieux. Bah oui, pourquoi pas. Et puis, une chose quand même qui est incroyable, c'est qu'à 300 mètres, c'est la première ligne. Il y a des combats à 300 mètres. Donc mettre un camp de prisonniers à 300 mètres d'une ligne de front, ça s'est jamais vu. Ouais, ça c'est vrai. Pierre. Tamo ne ići, tamo, jer šišaju on. Tamo ne. Ok. Okay, we go. Come here. Et c'est vrai que c'était très très chaud, mais très chaud.
on nous tire dessus. Il y a un mec qui se planque, un autre qui rampe sur la route, qui me dit de ramper comme lui. Moi, avec la Betacam de 8 kilos, c'est pas possible de ramper. Ah, ça, je peux vous assurer. Maintenant, vous pouvez peut-être ramper avec vos téléphones, mais moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas ramper avec ma Betacam. Cortina. Et puis, chose extraordinaire, à un moment donné, je vais dans l'herbe et clac, je tombe un pied dans un trou. Et à ce moment-là, une balle de sniper. J'ai été sauvé car j'étais tombé dans un trou. Je l'aurais pris certainement en pleine tronche. Bon, on remonte. Je vais après avec des Serbes qui sont au repos. Et au bout de 3-4 heures de tournage, je dis, bon, ok, je rentre. Alors moi, je n'ai rien vu à Brzeszko. Je n'ai pas vu du camp de la mort, mais ça ne veut rien dire. Ils ont peut-être été changés de place. Retour à Paris, puis je repars pour voir le commandant de la place de Sarajevo assiégé. Ce commandant est d'origine serbe, mais il combat aux côtés des Bosniaques. Je suis d'origine serbe, mais je me sens citoyen de Bosnie-Herzégovine. Moi, je suis depuis 26 ans à Sarajevo, et ma famille et la famille de mes fils sont à Sarajevo. Jovan Divjak, 55 ans, ancien officier de l'armée yougoslave. Je suis seulement d'origine serbe. Je ne suis pas, je suis pas orthodoxe, je suis athéiste, comme ça. En tant que chef de l'armée bosniaque, le colonel supervise toutes les opérations militaires autour de Sarajevo. C'est lui qui organise les défenses de la ville assiégée. Ici, un petit groupe de combattants qui se bat en première ligne, quelque part, sur le front nord. Poignée de main amicale, de circonstance bien sûr, mais aussi un contact très proche avec ses hommes. Le colonel veut tout savoir, tout contrôler. Il faut dire qu'à cet endroit, les forces bosniaques ne sont pas en très bonne position. Ici, ce sont avant tout des habitants des maisons alentours qui défendent leur quartier. Tous les jours, des balles et des obus tombent ici, mais les familles refusent obstinément d'abandonner leur maison. Je suis avec mes soldats et je lui dis que nous avons fait un combat, correct combat, pour la, comment dirais-je, pour la Bosnie-Herzégovine. Soyez prudents. Et ici, ce combat pour une certaine vision de la Bosnie se joue dans les champs, en contrebas des maisons. Juste là, en face, sont embusquées les forces serbes. Vous avez peur ? Tous les deux ? Non ? Si. Ce sont les lignes avant. Oui, ce sont les lignes de défense avant, mais... Je restais à Sarajevo à cause pour un nouveau État démocratique. J'ai trouvé que
c'est un État, c'est une patrie. C'est une patrie qui nous donnait les occasions d'être égales tous les citoyens. Et si on vous dit que demain il faut partager la Bosnie en plusieurs cantons avec des. Avec chaque canton étant attribué à des peuples différents? Je sais que plus citoyens et plusieurs nations de Bosnie-Herzégovine ne veulent pas être dans les cantons. On peut vivre dans les régions avec sa spécialité, avec sa langue, son économique, mais ensemble, je sais que mes combattants, mes soldats, ne veulent pas cantoniser Bosnie-Herzégovine. Ce sera une partie unique, mais avec toutes les caractéristiques des pays, mais des nations qui veulent vivre en Bosnie. Et alors, qu'en est-il des Serbes alors? Je peux enfin aller les voir. Je pars avec eux autour de Sarajevo avec une petite unité. Luka Vista, une ancienne caserne de l'armée yougoslave à une dizaine de kilomètres de Sarajevo. C'est ici qu'ont été entraînés ces jeunes volontaires serbes. Leur moyenne d'âge est de 18 ans. Ils ont tous grandi ensemble dans une banlieue de la capitale bosniaque. Pour la plupart, ils n'ont jamais combattu. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre? C'est une connerie. C'est tellement beau. J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de différence entre eux et nous. Maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. Trop d'atrocités ont été commises de part et d'autre. Comment la guerre a-t-elle commencé? Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel à la victoire d'élection. Leur objectif, rejoindre plus vite leur milice à Nidarici, un quartier serbe situé au cœur du dispositif musulman de Sarajevo. Quite difficult to pass through with this big group, you know, and it's much better to ask to go there in a smaller group, two or three persons. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, c'est mauvais. On aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres qui voulaient ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Ça, de charmer, c'est la subestime. Je ne sais pas.
Le peuple serbe a subi des invasions ennemies pendant des siècles. Et ils sont toujours restés maîtres chez eux. Et cette fois-ci encore, ils vaincront. Et nous voulons ce coup-ci régler les comptes avec l'ennemi définitivement, pour que le peuple ne vive plus dans la crainte. Habite là-bas, derrière les lignes musulmanes. Tiens, il y a un sniper là-bas. Il y a deux nuages de poussière, c'est là où on vient de passer. Je jouais avec mes copains au football. Là, il y avait des vestiaires. Près de l'artillerie. J'habitais un peu plus loin là-bas, dans le quartier musulman de Dobrynia. Grâce à Dieu, le 15 mai, j'ai pu m'enfuir. Tout ça s'est détruit. Cette guerre doit s'arrêter. Il doit y avoir un vainqueur. Mais en réalité, il n'y aura que des perdants. Musliman. Svaćamo jedan drugo. Je pense qu'il est trop tôt pour dire oui, la Bosnie-Herzégovine existe en tant qu'État, puisque ce n'est pas un État, puisque ce n'est pas un pays, c'est la République yougoslave. C'était déjà très compliqué avant, mais maintenant, j'ai rêvé que j'allais au bord de la mer cet hiver. J'y suis déjà allé il y a peut-être deux ans. J'adore la mer. Votre famille était à Belgrade? Oui, à Belgrade. Un ordre nous arrive. Renforcer pendant quelques jours la défense d'une usine d'armement lourd. Nous attendons la nuit, car les tireurs embusqués veillent. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison et je me ferais la malle, direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades et moi je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête.
Tu es tué. Deux heures plus tard, on t'oublie. Tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né. C'est comme ça chez nous. Philippe, m'a dit en français. Je partirai de ce pas, je ne reviendrai jamais. Un peu plus à gauche. À 50 mètres de l'arbre. C'est là que commencent les tranchées ennemies. Le sniper est là, à 20 mètres. C'est là qu'on a perdu deux hommes et qu'on a eu du mal à récupérer. Je suis de Belgrade. Vous êtes d'un commando ? Je suis volontaire serbe. Mais vous êtes venu à Bogota. Pourquoi faire ? Je viens aider mes frères de Bosnie. Okay, you go now, just slowly and down, okay? Close. Very, very close here. Okay. Okay, you go. Go. De nous, rien que des ruines. Au loin, le quartier général de l'ONU, le village olympique et la partie de Dobrinja que les forces bosniaques ont réussi à conserver malgré la pluie d'obus qui s'est abattue sur ce quartier. Sur la première ligne, un bâtiment d'un étage, l'école de Zoran. C'était la classe principale. Je n'aimais aucune matière. Je n'aimais pas étudier. Mais je me débrouillais. En haut, c'était les maths. Il y avait un aquarium. Tous les jours, je prenais un poisson dans un sac en plastique. C'était là, à côté d'une table, sur un des piliers. Ça me donne des frissons. C'était la place de mon frère. Et moi, j'étais ici. Ici, j'ai gribouillé Zorka, ou quelque chose comme ça. Que j'enlève mon casque.
Voilà mon cahier de notes. Tiens, une voiture qui passe. Merveilleux. Bien voir, je l'ai eu en pleine tête. Retour chez Bosniak, je retrouve un combattant nommé Goran que j'avais déjà vu en juin. À la tour, aucune trace de Goran. La ligne de front s'est déplacée. Personne ici ne sait où il se trouve. Je l'ai retrouvé à l'est de la ville, dans un quartier coupé du monde, le village olympique. Fais attention parce que les snipers sont là. Aujourd'hui, embrigadé dans une section spéciale, il s'est rasé la tête. Avec ça, je vais éventrer les techniques et leur couper les couilles. C'est la première ligne. Ce groupe d'immeubles pour les miliciens bosniaques a un intérêt stratégique primordial. Il est le passage obligé pour aller à Dobrinja, une banlieue de Sarajevo encerclée par les Serbes. Ici, on se bat pour garder le contrôle d'une route. 600 mètres de bitume parsemés de carcasses de voitures et de chars. Cette route mène à Dobrinja. On ne peut pas le tuer d'ici, on est trop loin. Tu vois comment il passe sur ce bâtiment, par le toit ?
Du point bazooka. Ce qui me frappe tout de suite, c'est la jeunesse des combattants. Pour la plupart, ils n'ont pas 20 ans. Par rapport à la vie qu'on avait avant, maintenant c'est zéro. Maintenant c'est zéro. On est contraint de vivre comme ça tant qu'on ne sera pas libéré. La vie avec le fusil, dormir avec le fusil. Avec mes capacités physiques, ça va. Mais psychologiquement, si ça continue comme ça, je ne pense pas pouvoir tenir le coup. Voilà, c'est décidé. Goran me servira de guide à Dobrynia. Il nous faut parcourir ce No Man's Land le plus rapidement possible. Cette route est sous le feu de la DCA serbe. Fais gaffe, il y a des snipers. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier, ravagé par les obus, abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du Parti National Socialiste OS, des intégristes musulmans, des Serbes ayant préféré rester chez eux à Dobrynia. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où? Ah, je peux pas vous dire. Ici, on ne sait pas trop, quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. À Dobrynia, la vie s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. Cette fois-ci, Goran m'entraîne voir sa fiancée. Nous sommes encore sur une ligne de front. Peut-être dans la ligne de mire d'un franc-tireur. Je dois courir très vite derrière mon guide. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Là-bas, au fond, une église orthodoxe.
où se relaient les francs-tireurs serbes. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent ? Rien. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Nous ne savions pas. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que nous leur avons fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Il y a trop de haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens, mais ils doivent savoir qui ils sont. Qui ils sont vraiment, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier tout ça. Thank you very much. Thank you. Ils tirent de là. N'y allez pas. Là, de ces immeubles, là. Vous pouvez voir, ils tirent tout le temps. Tout le temps. Et partout ici. Mais on est en vie. Concentrate slugger in Kula Butmir. Un an plus tard, le 12 juillet 1993, il y a des bombardements atroces sur Sarajevo. En particulier sur un marché qui va faire des dizaines de victimes. Nous arrivons sur les hauteurs de Vogoča, où sont installées les batteries de canons qui pilonnent sans cesse Sarajevo. Tu vois le petit terrain là-bas, la maison rouge. Tu tires là, sous la maison. Il y a des hommes qui sont planqués. Vise aussi un peu sur la droite. Attendez un peu qu'il soit découvert. Vas-y. Alors, ces bombardements entraînent l'intervention de l'OTAN. L'ONU impose un ultimatum aux Serbes en leur disant « Il faut que vous retiriez toutes vos pièces d'artillerie de plus de 20 km, sinon nous bombardons ces pièces. » Mes chers compatriotes, la nuit dernière, à Sarajevo, la guerre de Bosnie-Herzégovine
est entrée dans une phase nouvelle. Les Serbes, qui assiègent la ville au prix de milliers de morts et de terribles souffrances pour la population, ont retiré la plupart de leurs armes lourdes, canons, mortiers, chars, dans un rayon de 20 km. Celles qui ne l'ont pas été sont aujourd'hui regroupées sous le contrôle des forces des Nations Unies. Ainsi a été remplie, dans le délai voulu, la première condition posée par le Conseil Atlantique du 9 février dernier, à la demande de la France et des États-Unis, et qui s'adressait à la fois aux Serbes et au gouvernement de Bosnie. Et voilà, depuis cette date, l'OTAN est présente en Bosnie-Herzégovine. Alors, 1995, massacre de Srebrenica. Le président américain, après Srebrenica, décide de bombarder les Serbes de Bosnie. En 1995, je repars à Sarajevo, car finalement, il y a peut-être un traité de paix qui va être finalisé. Finalisé. Enfin, enfin la paix. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme. Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. Le colonel El-Kaï est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Nigarechi ainsi que du Mont Iman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. De plus, il se doit de mener des missions humanitaires dans les quartiers les plus démunis de la capitale. Il va aujourd'hui inspecter la ligne de front du secteur serbe de Nedarici, où a été construit un hospice de vieillards. On rejoint tout de suite Nedarici. Le sniper, c'est l'année dernière, c'est vrai qu'il devait... On perçoit à environ 200 mètres d'ici un grand immeuble avec des trous dans la façade. À partir de ces trous, vous avez des snipers qui tirent et c'est... Et ces grandes bâches permettaient aux petits vieux de se balader en étant hors des vues adverses. Oui. Bon là, comme les bâches sont tombées, il va falloir qu'on les remette parce que les papis qui se baladent à 80 ans, ils ne peuvent pas courir. Et ils se font facilement descendre. Si les opérations reprenaient, pour le moment il y a une pseudo-paix, si les opérations reprenaient, il y aurait un risque. Donc on va remettre ça en place rapidement. Ne restons pas trop là. To jest krov. Sa to ki ja bi najsretnija bila. Škola plus heureuse. Ako bi oni mogli da nam srede. Puis je pars à Dobrinja, ce quartier que j'ai bien connu sous le feu avec les Bosniaques et les Serbes. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre: l'Amérique perd patience. Alors je rencontre un déserteur à Sarajevo. Il s'est planqué pendant de longs mois. Il ne voulait plus aller au front. Moi j'ai déserté parce que je ne pouvais plus psychologiquement et physiquement continuer. Je n'en pouvais plus. Et puis cette guerre n'avait pas de sens. Les problèmes ne se sont pas résolus ici. Et moi, comme la plupart des gens, on nous a obligés à combattre. Puis d'un seul coup, sur la télévision bosniaque, l'annonce est faite.
les présidents bosniaques, serbes et croates ont signé un accord qui sera finalisé à Paris le 13 décembre 1995. C'est enfin la paix. Cette fois-ci, c'est vrai. Nous sommes jeudi, il est 1h du matin. L'annonce de la signature des accords de Dayton a été reprise par les radios et télévisions bosniaques. Dans la rue, malgré le couvre-feu, des groupes de jeunes gens se forment et font éclater leur joie. A system of government and courts will be established with officials elected in democratic voting. No person accused of war crimes will be allowed to hold political office. Yeah, good. It's very good. Reputation now. So tell you why. I hope it will be okay. Yeah. I don't know. I wish the best to everybody. I hope it will be okay. I don't know what else to say. Réaction à froid du présentateur vedette de la télévision bosniaque. J'ai toujours été optimiste. Mais tout de même, restons prudents avec ces tchétniks. Alors, selon les accords de Dayton signés, la Bosnie est séparée en deux entités. Grève des transports oblige. Paris a eu droit ce matin à un véritable balai d'hélicoptères. C'était le seul moyen pour permettre au chef d'État d'être présent à temps pour la signature. Les Français auraient bien souhaité que l'accord de paix sur la Bosnie porte le nom de traité de Paris. Les Américains ont dit non, eux qui, depuis quelques mois, ont montré le chemin aux Européens, tant sur le plan militaire que diplomatique. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Européens et Américains ont apposé à leur tour leur signature en espérant que les 200 000 morts et les 2,5 millions de réfugiés font maintenant partie du passé. Bill Clinton a invité les Bosniaques à saisir la chance de la paix. Une paix qui, pour Chirac, reste à faire. Nous apportons au peuple de l'ancienne Yougoslavie une promesse de paix. Mais la vraie paix reste à construire. Selon les accords de Dayton, la Bosnie est séparée en deux. La fédération avec les Croates et les Bosniaques d'un côté et une entité serbe. Mais rien, rien n'est réglé. La preuve, en fin 2021, la presse occidentale commence à dire qu'il peut y avoir encore des rumeurs de guerre en Bosnie-Herzégovine. Le spectre d'une nouvelle guerre plane-t-il sur les Balkans? 26 ans après les accords de Dayton qui mirent fin à la guerre de Bosnie, le fragile équilibre politique entre Serbes, Bosniaques et Croates est en péril, semble-t-il, en Bosnie-Herzégovine. Avec nous pour en parler, Loïc Trégourès, bonsoir. L'OTAN est présente à Sarajevo. On peut se dire tout de même que sans l'intervention des États-Unis et de l'Europe, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre en Bosnie-Herzégovine. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et partagez. Salut.